Là, on va voir la zone travaux publics. Attends, vraiment, ici, c'est la zone tir à l'arc. Là, il y a le baby-foot géant. Donc là, on voit, comme d'habitude, les... ça, c'est les piquets hein, pour la zone aventure. Hein. Le bureau, c'est le tube Citroën. Et là, on voit les travaux de terrassement. Alors, il y a le Volvo. Et là, le 4. T'as combien de voix sur la radio? 14 watts. 14 watts? Ouais. Utilisées? Je dis pas de bêtises, il y en a deux qui sont pas utilisées. Ah, d'accord. Tu es mis d'un côté là, c'est bon. Par contre, la pelleteuse, elle fait de la fumée. Ouais, c'est celle-là qui fait de la fumée. J'ai plus d'eau produit là. Il y a un petit réservoir. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils mettent. Vous voyez, je me cache le domaine. Bon, donc le but, hein, c'est ce soir, faut que toute la butte de terre là, soit évacuée. Donc, faut recharger les batteries, hein, parce qu'il y a du taf. Sauf que la batterie de rappel tient qu'une heure et demie. Ah. Alors, je sais pas si les gros cailloux, ils vont les porter bientôt, mais... Voilà, il y a des voitures qui arrivent encore, je vous dis, il est encore tôt.
Donc là, on a pelleteuse. Non, le bulle. J'ai pelleteuse, mais. Ça, c'est le bulle, c'est un caterpillar, c'est ça? Caterpillar D10. Ouais. Là, le tombereau Volvo, ça, on l'avait déjà montré. Là, la 970, on avait déjà fait une présentation. Voilà, on va en profiter, on va regarder la batterie, regarder où elle est. Oh, bah tout ça c'est métal, hein. Voilà, ouais. Et tout est hydraulique. Tout. Regardez le tombereau, avec les bien hydrauliques. Ouais, même sonnerie. Les klaxons, vrai, on se croirait sur le périphérique à Paris. Écoutez, ils ont tous un système de bruitage. On va noter la chenille un peu triangulaire là, c'est marrant ça. Et là on voit le petit vérin là, pour tendre autour de la chenille, c'est un système, ça semble être automatique, allez, ça pousse pas mal. Hein. Alors, question de néophyte, ça sert le crochet derrière, c'est pour planter c'est quand. Peur, c'est quand c'est dur, je le foisonne un peu avec ça, puis après j'y passe à la rame. Et toi, sur ta. Toi, tu conduis ça? Non, non. Là, non ça, ouais. Ah, toi, tu conduis les. D'accord. Donc là, tout est hydraulique. La pelle. Donc des vérins, il y en a combien? Il y en a pour baisser. Lever, baisser. Après, droite et gauche. Pour incliner. Ah ouais, d'accord. Après, tu as derrière le ripper. Monter, descendre. Après, là, au niveau des chenilles, c'est un vérin aussi. Non. Les moteurs de chenilles. Tu sais, entre les chenilles, je vois qu'il y a une sorte de. Là. Un tigère. Ouais. Non, c'est juste pour régler. Ah, d'accord. Ça. Ouais. Ça, c'est le bras qui met tient. Derrière. Derrière le. Ce qu'il y a là. C'est pas un vérin, là. Ça, non. Non. Là, tu as un vérin tender qui t'aille les chenilles. Voilà, ouais. C'est tout. Là, c'est les roues folles, la roue qui entraîne. Ah, ouais, d'accord. Allez, de la gueule, le bruit. Et il a calé. Ouais. Alors on arrive en fin de journée, hein, alors après s'être moqué de certains de nos camarades de jeu. Bon, ils ont de quoi se moquer de nous aussi. Là, on admire l'équipe Travaux Publics qui nous a fait une superbe démonstration. Voilà, bon, là, il n'y a pas toutes les voitures, il y a encore la pelleteuse là-bas qui est sur place. Et là, ils sont en train de faire le nettoyage. C'est pour ça qu'on entend le groupe électrogène là, ou le compresseur. Donc, je rappelle ça, c'est le camion Tamiya. Là, on a le Volvo tombereau. Hein, ça, on vous a déjà fait une vidéo présentation. Il y a juste la déco qui a un peu changé. Et là, celle-là, la 970, on l'avait déjà présentée. Elle est superbe. Pas de panne aujourd'hui. Pas de panne. Non.
Bon, nickel. Ça t'aide à chercher non, pas du tout. Allez. Juste à des chenilles, c'est tout. Toutes les trappes ouvertes, là. Ah, c'est super sympa, ça. Hop. C'est la pression d'huile, là. Je me rappelle plus, ça. Non, la pression d'huile, tu l'as là. Ah oui, pardon. Ah, ouais, là. Mais c'est à zéro, puisque la pompe ne marche pas. Ah ouais, regardez là, attendez. Il a la cabine. Je vais grossir. Regardez. La pression qui monte. Et là, on l'avait déjà regardé, ah, hein, mais le petit écran. Ça fait ça. Voilà, ça c'est quand même assez sympa. Et à noter hein, qu'ils ont acheté la remorque spécialement pour. Hein. Donc là, c'est la passion à fond. Alors moi, j'en connais une. Si je lui disais la même chose, t'as bien de la chance parce que moi, elle me tuerait. Hein, elle me dirait non, ça va pas. Non. Ah bon, d'accord. Ah d'accord, bon, alors. Il reste le bulle et c'est tout. Et le bulle il marche bien, nickel. Ça va. Mais là, moi j'ai poussé les 4-5 derniers temps qui restent. Ah, regardez là, je rappelle, hein, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais regardez si c'est sympa ça. Le radiateur là, là on a l'huile, hein, donc il y a une vraie pompe hydraulique. Il y a un filtre. Hein. Oh, c'est quand même tip top. Ça c'est chouette.